slow. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V, solo et online, parce que je veux vous présenter un glitch qui vous permettra de changer l'apparence de votre personnage. Donc ça m'a été beaucoup demandé sur les réseaux sociaux et dans les commentaires de mes vidéos. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer un petit glitch de la sorte. Donc ça a été trouvé par un américain, je lui fais une grosse dédicace. Donc pour réaliser ce petit glitch, vous allez vous rendre tout d'abord dans choisir personnage, donc vous allez dans choisir personnage et là vous allez devoir créer un personnage, donc un deuxième personnage, ou si vous en avez un comme moi, vous allez tout simplement le supprimer. Donc moi je vais le supprimer, donc c'est pour ça qu'ils vont me demander un petit truc juste avant, donc ne vous inquiétez pas. Là j'écris supprimer parce que c'est ce que Rockstar demande comme vérification pour être sûr qu'on veut bien supprimer son personnage. Je vais le supprimer en quelques secondes. Donc c'est normal si l'écran est un peu flouté à cet endroit là. C'est parce que comme je vous l'ai dit dans une vidéo il y a très longtemps, je cache mon pseudo à partir de maintenant. Donc c'est pour ça que l'écran est flouté. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous. Donc là vous allez tout simplement créer un personnage aléatoire. Donc vous en foutez un peu de l'apparence que votre personnage aura et vous allez lui donner un nom. Donc moi je l'ai appelé Test YouTube. Vous pourrez l'appeler comme vous voulez, de toute manière le nom n'aura pas réellement d'importance. Donc vous créez votre personnage, voilà, il est créé. Là vous passez le prologue, le prologue, oui, si jamais vous l'avez déjà fait, vous le passez, hein, on s'en fout littéralement, donc vous le passez. Et une fois que vous l'aurez passé, vous allez réapparaître sur GTA V Online. Le seul problème, c'est que vous n'aurez qu'une seule arme et que vous serez niveau 1. À ce moment-là, il va vous falloir, avec votre personnage secondaire, monter le niveau 2. Le niveau 6, pardon. Il va falloir monter jusqu'au niveau 6. Donc ça prend relativement de temps, mais vous montez bien jusqu'au niveau 6 et après vous pourrez changer votre personnage à l'apparence de votre personnage à l'infini. C'est-à-dire que si votre deuxième personnage reste au niveau 6, et bah deux semaines plus tard vous pourrez refaire cette manipulation à partir de ce moment là donc sur la vidéo. Là je viens de réapparaître sur la plage parce que ça m'a pris relativement de temps. Vous voyez bien que je suis niveau 6 à un demi-quart. Je suis bien niveau 6. Et là quand vous êtes niveau 6, vous allez aller sur GTA 5 Online, vous allez appuyer sur Start, vous allez aller sur En Ligne, changer de personnage. Donc vous changez de personnage, donc l'écran va redevenir flouté là, donc ne vous inquiétez pas. Vous changez de personnage et là vous allez sélectionner votre personnage secondaire. Quand vous allez sélectionner votre personnage secondaire, un message d'erreur, un message va apparaître demandant si vous voulez changer l'apparence de votre personnage. À ce moment là vous allez cliquez sur rien du tout, vous allez laisser cet écran là et vous allez vous déconnecter du Xbox Live ou du PSN. Donc une fois que vous avez bien ce message, vous n'appuyez sur rien, vous déconnectez votre câble internet de votre Xbox ou de votre PS3 ou vous débranchez votre box. Et une fois que cela est fait, vous allez recevoir un nouveau message d'erreur disant que vous avez été déconnecté du Xbox Live ou du PSN et qu'il faut retourner à Grand Theft Auto 5. Vous allez valider ce message, ça va vous remettre sur GTA 5 solo, ce qui est tout à fait normal, ne vous en faites pas. Là, à ce moment-là, une fois que vous êtes sur GTA 5 solo, vous allez vous reconnecter à votre compte ou au Xbox Live. Donc il ne faut surtout pas déconnecter son compte, ça ne marche pas, il faut déconnecter le câble internet. Vous déconnectez le câble internet, vous vous reconnectez. Et le temps que je me reconnecte, je vais vite fait vous inviter à me rejoindre sur Twitter et sur Facebook. Donc tous les liens seront dans la description. Et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne secondaire, donc une chaîne 100% Let's Play. Donc une fois que vous êtes reconnecté et que votre personnage est, vous pouvez bouger, vous allez aller sur Start en ligne. Vous allez bien faire choisir personnage. Moi j'ai eu un gros bug et quand je cliquais sur changer de personnage, ça mettait sur une session sur invitation, je sais pas pourquoi. Mais vous faites bien changer de personnage. Faites bien ça. Et là, cette fois-ci, vous allez cliquer sur le personnage, votre personnage principal sur lequel vous voulez modifier l'apparence. Vous cliquez sur ce personnage-là. Et quand vous allez cliquer sur ce personnage-là, un petit message va apparaître disant, en vous demandant si vous voulez changer l'apparence de votre personnage. Et à ce moment-là, vous cliquez sur oui et vous pourrez changer l'apparence de votre personnage autant de fois que vous
Ou comme vous le souhaitez. Donc là, moi, je vais changer l'apparence de mon personnage principal. Vous allez voir la tête qu'il aura. Et après, je vais retourner sur GTA Online pour vous montrer que je n'ai pas perdu mes niveaux. J'ai absolument rien perdu. J'ai juste changé l'apparence de mon personnage. Donc voyez à quoi ressemble mon personnage maintenant. Donc casquette, etc. Là, je vais retourner sur GTA 5 Online et vous montrer que je n'ai pas perdu mes niveaux et que j'ai bien changer l'apparence de mon personnage. Donc c'est un petit glitch, comme je l'ai dit au début, qui m'a été beaucoup demandé. Je vous le propose, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et donc voilà, vous voyez bien que sur GTA 5 Online, j'ai bien changé l'apparence de mon personnage, j'ai bien mon niveau, ma Zentando et mon argent. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tous à très très bientôt. Allez, ciao bébé tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.